65 de vitesse. Yeah, non, je me non, 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 faut me respecter un petit peu. Franchement, faut pas qu'elle joue à venir parce que l'eau c'est pas. Pardon, pardon. Vas-y. Oh là là, 1-0. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans un cadre exceptionnel avec un invité exceptionnel pour un moment exceptionnel. Regardez, je suis avec Arsène F5, le boss. Comment on va? Ça va mon frérot, tranquille. Bah, écoute-moi très très bien, je t'ai réservé une surprise de folie. Ça fait longtemps qu'on se chamaillait pour se raffronter sur FIFA. Voilà, on a un petit vécu tous les deux. Il y a FIFA 23 qui arrive et je me suis dit, bon bah c'est le meilleur moment. On va se tester dès maintenant sur FIFA 23 avant tout le monde. Le jeu il sort demain, donc là on est en avant-première totale. On est en direct réel, hein, c'est pas un fond vert, au Parc des Princes. Donc là, si tu veux, après on peut aller sur la pelouse, hein, mais c'est concret, c'est réel, on y est vraiment. Qu'est-ce que t'en penses de ce cadre de fou déjà? C'est une folie, c'est un rêve. Tu m'avais dit il y a quelques années, tu serais le premier au monde à jouer à ce jeu en plus en direct du Parc des Princes, mais jamais je t'aurais cru. Mais jamais de la vie. Honnêtement, même moi. Donc on y est, ça, c'est en train d'arriver, c'est aujourd'hui. Et c'est fou de se dire qu'on est juste là pour un match simple de FIFA, quoi. C'est tout. C'est une folie. J'espère que tu vas gagner. J'espère pouvoir te mettre des beaux petits buts pour leur montrer la beauté. T'as eu l'occasion, toi, de jouer ou d'observer un petit peu ce qui un va arriver? Un peu à la bêta. Okay. Ouais, j'ai pas mal joué à la bêta et franchement, j'ai hâte maintenant de tester le jeu en entier. Ah là, il est concret. On l'a en entier, justement. Bah, on va pouvoir y aller directement avec les menus, etc. D'ailleurs, j'aurai des jeux à vous faire gagner. Plein de jeux FIFA 23 à vous faire gagner. Ce sera en fin de vidéo, je vous expliquerai. Mais ça sera via un post Instagram. Et nous, on va partir du coup en mode coup d'envoi pour commencer, tester ce jeu. Allez, on y va. Mode coup d'envoi, je suis prêt. Un match, un seul match. C'est ton premier match FIFA 23. C'est mon premier match sur la version complète de FIFA 23. Oui, c'est ça. Sachant que ça change un petit peu par rapport à la bêta. Là, clairement, c'est le vrai match. Moi, c'est vraiment mon premier tout court. Donc, hâte de voir aussi, parce que moi, on m'a beaucoup parlé de l'Hypermotion 2.0, du mouvement, des personnages qui est de plus en plus réaliste, etc. Il y a des nouveaux clubs également, nouveaux pays, nouveaux championnats, un peu de tout. Regarde, dans la sélection, par exemple, on peut voir qu'il y a le Maroc qui vient d'être ajouté. Let's go, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, parce que c'est vrai que ça manquait. On voit aussi qu'il y a un onglet carrément équipe féminine. C'est bien foutu, ça, comme ouais, ça, maintenant. Il y a des championnats, maintenant, de féminine également dans le jeu. Honnêtement, c'est le fire. Le Ghana, je sais pas s'ils y étaient. Moi, je pars sur un PSG simple. Voilà, on va venir. On est au parc, PSG, oui. PSG, forcément. Là, on va voir en direct les notes. Les notes, bon, on les connaît un petit peu, mais on n'est pas non plus toutes les notes par cœur. Mbappé, j'avais vu 91. Ouais, l'équipe PSG, elle est solide. 91 aussi. C'est l'heure du match. C'est l'heure du grand match, mesdames et messieurs. Arsène, au Parc des Princes. T'imagines, je t'ai fait déplacer au Parc des Princes pour ce show match de fou, tester le jeu en avant-première, etc., pour que tu te prennes une rouste. En tout cas, effectivement, moi, je sens un peu plus de logique dans les mouvements. Ouais, ils ont repensé ça, vu qu'il y a Hypermotion 2 maintenant, c'est un nouveau moteur, donc forcément ça change un petit peu et ça tend à la perfection à force. En vrai, il y a un monde, hein. Tu sais, je partais perdant de fou, mais je peux tirer. Mais là, t'es pas mal, hein. Je domine fort, imagine. Oh. Non. Ça, les enroulés, ça peut rentrer. Ok, il y a match, mesdames et messieurs. T'as vu les corners, ça a changé également. Maintenant, oui, on peut voir où est-ce qu'on tire le corner. Ah, c'est exactement où ton pied va taper pour donner un effet au ballon. Ouais, c'est le ballon. Tu peux faire ça avec le joystick droit, là, tu vois. Ok. Quand t'as un truc comme ça, allez au hasard. Oh, pas mal. Ah non. Il y a tant qu'à 0-0, il y a un monde. Allez, frappe croisée. Ouh, j'ai vu un effet, mec, c'est contre-intuitif, mais l'effet. Honnêtement, je suis encore en maîtrise. Ah ouais? Et ça? Jusqu'au. Et ça, t'es en maîtrise? Ok, je vais arrêter de parler. Moi, plus il parle, moins la maîtrise est là. Oh, petit pont, passons de jambes, et on finit! Heureusement, je prends pas ça, mec, ça aurait été le but. Ah, virgule intérieur, virgule extérieur. Ouais, il y avait tout. Il va pas venir ce premier but. Hein. Mec, j'ai l'impression que celui qui marque, il a gagné. Et du coup, est-ce que c'est nous qui a. Oui, je pense qu'il y a aussi ce côté où on n'a pas encore vraiment don. Ok, il y a but. Allez, Wiléo, le 1-0. Ouais, le petit bruit des cages ici, mais oui. Ça va. Il a été perturbé. Il y a vraiment eu le bruit du filet. Qui est sorti de là en mode. Ah, c'est passé quoi là? Il y a un nouveau tir d'ailleurs, je te le montrerai après, c'est L1, R1 et tir. Ça te permet de faire des power shots, ça c'est des frappes de ouf, genre hyper puissantes, mais ça rentre pas trop. Mais c'est quoi, c'est plutôt de loin? T'inquiète. C'est juste de la puissance. Je vais te montrer, c'est même une cinématique un petit peu. Ça quoi? Ah, je te jure. Oh, si tu me marques un power shot. Oh, attends. J'ai fait quoi là? Il m'a endormi. Renato!
Renato. Il m'a endormi. J'hésite. Non. Putain, mais du coup, ça me c'est encore pire parce que ça me redonne de l'espoir. Mais oui, t'as là où l'espoir. Je commençais déjà à me faire mon idée de c'est bon, c'est perdu, t'as marqué le but qu'il fallait pas. Coup franc, t'as vu, ça a changé également. Ah oui. C'est quoi? Je mets pas de joueur dans les cages. Je te laisse faire ce que tu veux. Pour la beauté du, ouais. du geste. Ouais, c'est un peu puissant ça, non? Ouais, elle est partie. Attends, ouais, elle était flottante. Attends, hein. Attends, c'est bien, il y a un potentiel dans ces coups francs. Oh, heureusement que t'es un croqueur. Ouais, je sens que je vais le payer, je sais pas pourquoi. Oh. Mec, il y a le karma sur FIFA. Mec. Non. Je crois que c'est maintenant le croqueur. Ah là là, en plus, je décale le gardien. Oui, j'ai vu. Oh, peut-être que. Arsène. Ça revient. Arsène. Ouais, j'ai tenté. Oh là là, j'ai cru qu'elle... Je suis sur un truc de chatte. J'ai cru qu'elle avait une dinguerie sur la fin. J'étais pas bien. Eh, au moins, c'est bien pas riche. Une défaite. Bien riche, mon frérot. Mais je sais que t'as été très gentil, je t'en remercie. J'ai essayé de mettre des beaux buts, mais c'est la première... Pour moi, c'est victoire. Partie de FIFA. Mais ce n'est pas la fin de la vidéo. Comme ça, c'est pas la fin. On refait un match? Tu te doutes bien que je n'ai pas pris cette loge en plein milieu du Parc des Princes juste pour un petit match FIFA. On va avoir des invités, mon cher Arsène. La première surprise, elle est pour toi en plus. Rien que pour toi, je propose qu'on l'accueille tout de suite. Regarde, Laure Boulot est à vous, mesdames et messieurs. Ça va? Ils se connaissent très très bien, je comptais. Ouais. Tu as dit tout de suite. La pro de FIFA. Extraordinaire, Laure Boulot qui bat. On le dit, hein, consultante, que ce soit dans le Canal Football Club avec Canal. On le sait aussi sur Twitch avec le PSG Inside. On te voit très très souvent ici. Avec Arsène. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est bah, un peu aussi ton avis sur FIFA. Tu vas avoir l'occasion de le tester. Et puis, ton avis aussi sur l'arrivée des équipes féminines, des ligues aussi féminines. Il y a la D1 française qui arrive. Il y a la ligue anglaise aussi qui arrive. Il y a toute la modélisation des filles qui ont été faites et qu'on va pouvoir voir dans un instant. Franchement, j'avais ressenti en tout cas ce moment, c'était c'est un point de départ de l'aventure des féminines sur le jeu. Puis on nous a pris nos images sur les appareils. On avait l'impression d'être dans Matrix, quoi. C'était genre c'était vraiment trop cool. Et puis après, moi, là, ce que j'aime vraiment, c'est de voir qu'il y a eu un début, mais que FIFA, enfin, EA, s'arrête pas là. Ils veulent vraiment développer les choses et faire quelque chose de... Ils ont amélioré la façon de jouer, ils ont augmenté le nombre d'équipes où tu l'as dit, il y a la Ligue, il y a la D1 Arkema qui arrive. Et c'est je pense super, que ça. La modélisation aussi, ça n'a plus rien à voir. Donc là, en fait, j'ai envie de voir leur tête. Moi, clairement, c'est ça qui... Plus que les notes, je crois. Nous, on a eu l'occasion un petit peu, vu qu'on s'est fait un petit match, de voir mes côtés masculins. Ouais. C'est vrai que féminin, on s'est pas encore spoil. On t'a attendu, on a été sympa. Ouais. Et je pense que le mieux, c'est de le découvrir en même temps avec des joueuses, parce qu'on m'a dit que t'étais pas venue seule, ma chère Laure. Attends, mais Arsène, il a cru vraiment que j'allais venir. Une petite surprise en déjà. Mode combattante pour sans être personne. Honnête, mais moi, je suis pas sûr que ce soit vrai. Donc pour l'instant, je vais rester dans le. Je sais pas si elles m'ont posé un lapin. Je vais voir si elles sont arrivées. Et où mais oui, effectivement, il y a du très beau monde. On a Grace Gayoro, Elisa, des Elmeda et bien sûr Lorina Fazer. Comment allez-vous? Quel plaisir de vous recevoir, les filles. Joueuse du Paris Saint-Germain. Bah, ça nous fait extrêmement plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement une par une? On va commencer par Grace. Bonjour, je m'appelle Grace Gayoro, milieu de terrain du Paris Saint-Germain et d'équipe de France. La classe, quand même. Rien que qui ça. Marque des triplés contre l'Italie. Ouais, la classe. Ouais. Très humble. Ouais. Sur l'autre fauteuil, je vous laisse la main aussi. Bonjour, moi c'est Elisa de Almeida, défenseur central au PSG et en équipe de France. Merci beaucoup d'être avec nous, honnêtement. Avec plaisir. Bonjour, Lorina Fazer, milieu de terrain au PSG et équipe de France U20. Alors, Lorina, je suis obligé de te dire tout de suite quelque chose. Est-ce que tu es au courant que dans cette pièce, tu as ton fan numéro 1? Je ne parle que de toi, mais tu es le futur. Ah bah ouais. Non, mais dis-le, enfin, assume, non, dis-lui. C'est vrai, à chaque fois. Tout le bien que tu penses d'elle. Ça vient de l'or aussi. Ah, chaque fois, elle me dit. Travail. Okay. Elle me dit, Lorina est trop forte, elle va être trop forte. Et c'est vrai. Voilà. On a la chance d'avoir. J'ai vu la naissance de Grace au PSG. C'est vrai qu'elle est arrivée toute jeune et de voir son parcours aujourd'hui. Et puis, j'ai l'impression de voir encore une pépite. Qui va évoluer, qui a fait toutes ces jeunes classes. Elle était même, elle tenait la main des joueuses pour rentrer. Enfin, je me rappelle, elle était toute petite. On peut retrouver des photos où elle nous tient la main quand on rentrait sur le terrain. Allez, les dossiers. Et de voir, non, c'est pas un dossier, c'est trop mignon. Franchement, et de la voir aujourd'hui évoluer. Et puis, c'est que le début, hein, c'est un bébé encore. Hein. Je te rappelle un peu, Lorena, de cette époque où tu étais peut-être encore jeune, encore dans le rêve d'y arriver, d'accomplir sur cet objectif. Et du coup, effectivement, peut-être tu étais en train de tenir la main. Aujourd'hui, maintenant, ça va être l'inverse. C'est toi qui vas donner la main aux plus jeunes. Tu te rappelles
rappelles encore de cette époque et qu'est-ce que ça t'inspire là d'avoir parcouru déjà tout ce chemin? Ouais, bah oui, je m'en rappelle. Enfin, forcément, pour moi, c'était un rêve de pouvoir suivre le chemin que Laure ou Sabrina elles avaient fait parce que elles ont duré au PSG et le fait de voir ça, ça m'a permis d'essayer d'accomplir mes rêves et je suis très contente. On rappelle, t'as 18 ans. Tu comprends pourquoi on ne peut que l'aimer, tu vois. C'est un bonbon, quoi. Autant qu'on t'a encore. Non, mais t'as 18 ans, donc t'es assez jeune, mais t'as surtout vu, je pense, l'évolution du football féminin dans notre société. Est-ce qu'au contraire, ça te rassure pour le futur, te dire, ça y est, il y a de plus en plus, même du coup, de possibilités, d'opportunités pour nous, les filles, d'y aller, mais sur la durée, pour vraiment s'installer durablement avec les ligues qui deviennent de plus en plus intéressantes. Bon, on voit le Paris Saint-Germain, de toute façon, c'est le top du top en ce moment, premier au classement, mais au-delà de ça, le fait d'être scanné dans un jeu FIFA, peut-être que tu jouais aussi quand t'étais petit, mais qu'avec les équipes masculines, parce que t'avais pas le choix. Ouais. Est-ce que c'est ce genre de choses, même ça n'a rien à voir avec le sport, avec le foot, socialement, est-ce que ça te réconforte? Est-ce que ça te parle? Est-ce que t'es fier oui. de ça? Ouais, D'amener aussi ce changement-là, parce que c'est via des personnes comme toi que ça bouge. Ouais, de toute façon, on voit l'ampleur que ça prend le football féminin. On l'a vu forcément avec la saison dernière, le parc il était quasi rempli. Plaisir. Et on était grave contentes et le fait de nous voir aussi sur FIFA, c'est pas rien. Donc, elle veut voir ça On va avoir vos notes, ne vous inquiétez pas. Et Elisa, aussi un énorme plaisir de t'avoir à nos côtés. Pareil, je voulais un peu ton avis sur cet intérêt, déjà aussi le fait que FIFA, comme l'a dit Laure, a beaucoup soutenu le fait d'arriver à mettre sur un pied d'égalité les ligues masculines, les ligues féminines, ne pas toujours chercher à comparer, à en discuter, mais au contraire faire les efforts pour que les jeunes filles aujourd'hui puissent aussi rêver, puissent aussi se dire que c'est ouvert pour eux, c'est accessible, si on en a bien sûr le talent et l'envie et le travail, la détermination. Est-ce que pour toi c'était un passage obligatoire? Un passage obligatoire, je sais pas. Enfin, en tout cas pour nous c'est une grande fierté d'y être. Et comme vous l'avez dit, je pense que pour les générations qui arrivent, ça va être bien d'avoir des références. Parce que c'est vrai, quand on est petite, on y joue. Et moi je sais que j'y ai joué avec des équipes du coup que masculines. Et forcément pour les jeunes qui vont pouvoir se référer à des références féminines, ça va faire monter le foot féminin, ça va continuer d'évoluer. Donc c'est super. En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans les jeux, en fait, nous, on a tous besoin de s'identifier. Et c'est vrai que quand on était jeunes, on s'identifiait. Bon, moi, c'était Vicente Lizarazu, Zizou et consorts. Et je suis contente. Ça passe aussi par des événements forts comme ça, où les petites filles, elles s'identifient plus à Elisa, Lorina et Grâce aujourd'hui que des équipes masculines, même si elles vont jouer avec les garçons. L'idée, c'est que ça soit fluide et normal. Et c'est ça aussi, vu que c'est un jeu qui est très populaire, le jeu le plus vendu, c'est par l'école, c'est des petits outils comme ça, mais quand ça touche le plus grand nombre, c'est vrai que ça nous aide au développement des futures vocations aussi, et des petites, des futures Lorina, des bébés Lorina. Arsène, toi qui attendais aussi FIFA 23, cette petite nouveauté, le fait de considérer de plus en plus ce sport féminin, toi, pour toi aussi, c'était quelque chose qu'il fallait faire enfin, afin de normaliser ça pour, comme on l'a dit, créer ses vocations, mais dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est très bizarre qu'une petite de 5 ans, si elle voulait jouer à un jeu de simulation de sport, elle ne le pouvait pas autre que par les garçons. Et donc, effectivement, s'identifier avec les parcours aussi des filles qui, du coup, se font interviewer aujourd'hui, sont beaucoup plus mises en avant. Et c'est vrai que ça manquait, ça, avant, parce que vous avez dû, vous, trouver l'envie d'y arriver ailleurs. Disons que je ressemblais pas physiquement à Vicente Lizarazu. Après, sur le talent, sur le terrain, il y avait quand même certaines similitudes. Je pense qu'elles ont hâte de découvrir leurs notes là. Je le sens. Peut-être avis. Tu sens le gamer Arsène, il veut aller à l'essentiel, tu vois. Moi, j'ai envie de le voir faire des virgules et tout avec les filles. Elle connaît, hein. Moi, j'en ai pas vu tant que ça des virgules pour l'instant, mais. T'inquiète pas. Tu les as gardées. Ça va être à vous de jouer en tout cas pour ce premier match. Vous êtes en 2-2. J'espère que les équipes vous conviennent. On va faire canapé contre canapé. Et si vous voulez, je peux vous propose, avant de démarrer le match, en image, on a une image pour Grâce de découvrir ta carte. Ah ouais, si tu en as envie, Grâce. C'est que si tu en as envie, on peut peut-être découvrir. On a en première ta carte, elle va s'afficher devant nous sur l'écran, normalement dans quelques instants. Grâce Gayoro, quel stade de folie 87, quand même. C'est très solide. Et bientôt 90 Mbappé. Ah non, mais là, c'est. Alors attends, non, mais je veux voir ça en détail, moi. Vitesse. Ouais, 118. T'es déçu? C'est bien, c'est bien, mais c'est parce que tu caches ta vitesse. Ouais. Je tire 70, t'en penses quoi? Aïe. Ouais. Tu voulais un peu plus là. Après, c'est vrai, je tire pas énormément aussi, donc ça se comprend. Défensivement, 83, c'est presque trop, non? C'est gentil. C'est très gentil.
Non, mais ça va. Voilà, c'était histoire de vous mettre un petit peu dans le bain. Je voulais aussi un petit peu avoir vos avis. Bah, on va parler sur le canapé, donc Lorina et Elisa. Je sais que vous avez du coup participé normalement à un scan pour être modélisé dans le jeu. Est-ce que vous pouvez raconter un peu l'expérience, parce que ça devait être une journée un peu différente de toutes les autres pour vous. Il y avait des groupes. Ok. Et après, on passait chacune notre tour et on était dans une salle où il y avait plusieurs caméras. Après, ça nous prenait en photo devant, derrière. Et c'était comme ça. Il y avait des vidéos, c'était quoi? Nous, je me souviens qu'on devait aussi faire des mouvements avec nos têtes. Ouais, il y avait ça. Du foot aussi? Non, on était assises. Il y avait vraiment que des. Après, il y avait des émotions. On avait des émotions à faire. Ah ouais, ouais. Ouais. Genre quoi? Il y avait ouvrir la bouche, ouais, crier. Vas-y, crie pour voir. Célébration? Non, on était assises. On faisait. Bon, bah les filles, ça va être le moment de découvrir les notes de tout le monde maintenant. Il n'y aura pas que Grace qui aura son information. Et peut-être les visages aussi, parce qu'on va pouvoir peut-être voir déjà les petites photos. Oh, les étoiles gestes techniques également. C'est vrai. Bon, et bah écoutez, les vrais gamers. Non, mais on est dedans. On regarde pas tout ça. On a été respectueux, on a attendu pour découvrir les équipes féminines. Allez-y, je vous invite à choisir vos maillots et on va. On a dit, on joue à domicile. Pour faire un petit quiz, c'est qui la plus technique normalement en étoile geste technique ici? Qui aura le plus d'étoiles ici? Ouais. Enfin, moi j'aurais dit Grâce. Grâce, ouais. Tu penses? Mais moi aussi, l'expérience, ça gestion d'équipe. Hein. Allez, gestion d'équipe. On va voir. Et toutes les notes. Oh! Alors les notes. Ah ouais, 90. Oh. Et ouais. Il y a Mbappé dans l'équipe, je crois. Ah ouais, 4 photos après. Tu as dit la vérité. Hein. Alors, t'es où, Grassou? Je suis là. Grâce Guéhéro, 87, comme on l'a vu. 3 étoiles. Comment on fait? Guéhéro. Lorina, 3 étoiles également. Karchaoui. Les gauchères, les gauchères. Latéral gauche. C'est un peu. Ils sont gentils. Mauvais pied. Ils m'ont mis 3 étoiles. Très gentil. C'est gentil, 3 étoiles, mauvais pied. Ouais, c'est gentil. On peut lancer là, je pense, non? Ouais, les filles, ça va être à vous de jouer. Je comprends, parce que ça prend un fou. Quel grand main. Ah! Doucement! Oh, je suis bien faite, hein! Franchement, j'aime bien. Les émotions. Elle s'est pas trompée. Grâce, elle avait mis la meilleure coupe. Ah ouais. Sandy, elle est chère bien faite. Sandy, c'est incroyable. Ouais. Sandy, c'est vrai. On dirait la pizza qui arrive. On vous laisse dans votre match. D'accord. Parlez avec vos coéquipières, faites vos stratégies. Donc, vous pouvez vous chambrer entre vous. Et tu vas classique alors. Oh, je te la mets en l'air et tout. Ça va partir vite. Katoto, première frappe. Mais mets-la moi. Ça revient. Oh, attends, c'est moi. Et ou pas jeu. Grâce, elle est à l'aise. Oh là là, j'ai fait ça sur Sakina là. Profondeur. Bien joué. Oh. En deux temps. Centre. Non, oh. Mais grâce. Mais... Franchement, faut pas qu'elle joue à finir parce que l'eau c'est pas. Pardon. Vas-y. Oh là là, 1-0. Mauvaise relance dans l'axe, on le dit à chaque entraînement on évite. Je la tue. Quatre autos pour le 1-0. Comme quoi. Elle tient le jeu, mais elle joue beaucoup. Ils m'ont dit qu'ils avaient bossé sur le jeu. C'est qui qui joue? Vas-y. Mais tac, mets-la moi. Mais quand même là on voit extérieur. Alors pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que les notes féminines font peur, mais tu peux pas actuellement faire des matchs masculins contre féminins, c'est pour ça que... Oh la récupération. Ouais, exactement. Je dans ta catégorie quoi. Contre équipe féminine, attention, le 2-0 peut-être, Lorina. Oh la gauche. Moi j'ai envie de voir ça, un but... Un but de Lorina, grâce contre mais elle. Mais mets de la force. Ouais. C'est grâce en rouge. Ouais, attention, c'est qui ça va comme ça là. Mais c'est toi en rouge. Oui, bah oui. Écoute, moi j'arrive. Un contre 4 là. Elle va gérer derrière. Oh. Mais là ouais. Excellent. Merci. Quelle contre-attaque. C'est ça, Mbappé. Qui a marqué C'est Marie. Un doublé dans le même match quoi. Alors que là. Vas-y, joue. Pardon. Alors que là. Il y a hors-jeu. Ça peut plus le match. Non, il n'y a pas hors-jeu. Elle est découverte. Oui, face à face. Bah oui. Ah, ils vont s'énerver là, ça y est. C'est 2-1. C'est très très mental le 2v2 sur FIFA. Et là, on voit vraiment, on va regarder deux sourires sur deux visages. On peut pas perdre contre elle, c'est impossible. Mais Grâce n'a pas dit son dernier mot, accompagné de l'enveloppe. Parche la dernière. Oh là là, quelle passe. Va Marie, c'est une blague. Mais quelle passe en rouge. Mais là, Katoto. Oh là. Sur la garde. Mais enroule ma belle, enroule. Je vais pas faire ça moi. Là, tu cliques comme ça. On va arriver à la mi-temps avec un avantage. D'un but. Non.
Et là, il y avait on allait marquer. Il y a quelque chose. Elle est énervée, moi. Oulala, la mienne. Le on allait marquer sur un coup de mi-temps. Vraiment. Alors qu'il n'y avait rien derrière. Mais au départ. Pressing, là, d'un coup ou pas là. Il y a un pressing. Ah oui, oh Laurie, là, on a rien. Marcel l'avait vu. Mais oui. Au centre. Daniel le centre. Oh, ça joue à l'équipe, ça se parle. Oh, ça se parle. Ça se parle sans se parler. Ça se parle avec le ballon. Ça se parle de fou. Sur le terrain. Ça se parle sur le terrain. Marie, elle a mis un quadruplé. Ah bah. On va gérer mais ça. Mais comment ils m'ont fait? Bah c'est extérieur. C'est bon, c'est. Mais c'est qui? Non, c'est. Mais c'est qui sait pas courir comme ça? Mais c'est toi. Mais c'est toi. Mais c'est toi. Mais depuis tout à l'heure, je te dis, t'as la charrette, tu veux mais pas. Mais c'est faux ça. Là, une touche. Il y a plus de terrain. Vas-y. Oui, oui, l'appel. Oui, l'appel. Bon, maintenant, tu termines, okay. Tu me termines ça. Marie Casotto. Oh, crochet. Oh, on va la passer. Encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. C'est mytho, elle. C'est grâce, elle est trop forte. Moi, je voyais une passe. Elle est pas trop forte. Mais quand t'as Laure avec toi, je comprends que tu veux finir. Là, qu'est-ce que je fais? Non. Ça va plus. Et y a pas de temps à faire. Elle a raison. Ouais. On a gagné. Bravo à Greg, franchement, on l'a pas mérité, c'est bien papa. Il emporte 3-2 avec le fair play, bien sûr. Bien joué. Ça reste la patronne. On la rage comme toi. T'as mis des belles frappes, Elisa, bravo. Je dois retenir là, c'est le crochet sur la fin de grave finition. Alors je te garde, on a encore une épreuve pour toi, mais un énorme merci à Elisa de Almeida, merci à Lorina Fazer et merci à Grace Gayoro. Vous avez été incroyables, toutes les trois. Merci d'avoir pris du temps avec nous, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment sur FIFA, d'avoir découvert vos notes. Tu sens qu'il y a une équipe qui a gagné. En tout cas, merci à vous trois, bonne continuation et grosse force pour les prochaines échéances. Ok, Doag, maintenant, troisième partie de cette vidéo, tu vas jouer et avec Laure. De ce que j'ai vu... Je vais te mettre la pression, tu sais. Ok. Tu feras la deuxième mi-temps. Je ferai la deuxième mi-temps, on va alterner après. Et Laure, tu nous diras avec qui t'as préféré jouer. D'accord. Pas forcément le plus fort, avec qui t'as eu le plus de plaisir. Feeling. Effectivement. Pour moi, j'ai une chance. Okay. T'as peut-être une chance. Donc, on échange les rôles. Je te laisse la main, là. Exactement. Okay. Vous allez affronter donc deux autres joueuses du PSG. Okay. On va accueillir dans quelques secondes. On aura donc Auriane Jean-François et Sandy Baltimore. Le feu. Le sourire qui va jusqu'aux oreilles. Je me lève, carrément. Ça va vous allez bien? Salut Auriane. Salut. Ça va Sandy? La pépite. Pied gauche, évidemment, toujours. Ah bah. C'est un moment spécial. Moi, je l'ai vois, on l'a game. Hein, Là, t'as de la passe D dans le pied, quoi. Waouh. Ouais. Et est-ce que sur FIFA aussi, vous êtes aussi à l'aise que sur le terrain? Parce que sur le terrain, j'ai pas de doute. Faut voir, hein. Ouais. J'adore. Hein. Ok. Longtemps. Vous jouez de base assez régulièrement? J'ai pas 95, moi, je joue pas. C'est des grosses demandes. On va regarder ça. Vous voulez qu'on découvre les notes tout de suite? Ouais. Ah ouais. On va commencer par Sandy Baltimore. 84, c'est solide. Ouais, c'est très solide. Moi, je tiens à dire qu'ils se sont trompés sur un chiffre. Physique? Non, mais attends. Elle te dégomme tout le monde sur le démarrage. Coup d'épaule, là, t'es. Mais non, mais le démarrage, les cuisseaux, elle représente. Comment défense 58? Jouer latéral avant. C'est vrai. Mais ça y est. Ouais, mais. En fait, elle fait 90. Quand même. Non, par contre, la vraie stat. Non, en vrai, ça va. C'est passe. C'est les centres aussi dans les passes, j'imagine. Ouais. J'avoue, ça, c'est normal. Hein. Ah, tu vois. Ah, un compliment. Tu reconnais la stat. On a dû aller le chercher, mais on a eu un compliment. Ouais. C'était pas du tout gagné. Ouais. Ben, on va passer à l'affiche, justement, de Auriane Jean-François, justement. On regarde pas. 95. 79 de général. Waouh. 65 de vitesse. Yeah, non, je veux non, 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 faut me respecter un petit peu. Elle est rapide, hein. Tu penses qu'ils t'ont pas respecté? Moi, je pense que c'est parce qu'ils te connaissent pas encore assez. Ouais. Non, c'est bon. Tu vas remettre les pendules à l'heure. On verra bien l'évolution. Voilà. On verra bien. Là, ça va commencer, là. Je cours pas plus vite que Sandy, mais elle va pas me mettre 10 mètres non plus. Non, mais t'as raison, faut se faire respecter. Il y a des gens de FIFA pas très loin. Je pense que le message, il est passé. On attend le prochain. On attend le prochain opus. Je crois que le défi, ça va être un 2 contre 2, sauf que nous, on va switcher à chaque mi-temps. Je vous rassure, vous démarrez par le plus facile. Mais derrière, je ne vais pas vous mentir que là, il y a un monstre. Il y a un monstre non, de FIFA. Je connais un petit peu cette... C'est sûr. C'est celui modèle. Le mec a été pro, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prête? Tout va bien pour vous? Ouais. On se met dans le bain direct? 4 gestes techniques, mais que 2 mauvais pieds. Non, mon pied droit, il s'est amélioré. Mauvais pied 2. Ce qui n'est pas trop mal. Ah ouais, attends.
la meilleure pied gauche que toi, t'as un pied droit. Ouais, on voit Sandy là sur le côté. Sandy, franchement, c'est incroyable. Ouais, là, pas mal, ouais. Ouais, ça va. De fou. Vous êtes en bleu du coup, Doigt, c'est ça? Nous, ouais. On est en bleu, ouais, maillot domicile. Je pense que notre objectif, Laure, c'est de faire 0-0 et tout mettre entre les mains de Arsène. Voilà. Mais non, attends. Ouais, attention. Oui. Attends, quoi, oui, je fais la passe de ouf. Oui. Oh, j'ai décroché deux secondes. J'ai regardé. Ok, ça joue, ça joue. Je t'ai vu, il y a le temps, le temps que tu te passes encore mieux. Coupe. Là, tu mis sur le côté. Trop généreuse, mais j'aime bien. Mais j'aime bien, t'aimes bien le côté altruiste. Moi, je vous dis, elles connaissent toutes les touchants. Oh, tu m'as vu? Oui. N'importe laquelle? Vas-y. Non. C'est toi qui m'as marqué. Je l'ai allez, dit. C'est toi qui marquera. C'est toi qui marquera. Mais j'ai pas l'air. Oui. Oui. Voilà. Un petit enroulé. Non, ça y avait une femme. Je sais pas c'est laquelle, mais très égoïste. Non, là, c'est ça. R1, ouais, ça passe un peu moins, les gars. Ah ouais, de fou. Oh là là. Décalage. Je connais pas cette passe, c'est quoi? T'as fait vraiment. Non. Non. Ok, c'est notre action. J'ai un très très bon pressentiment. 45ème, ça. Ouais. Ouais. Non, ouais, t'as vu ce que tu m'as donné. Mais t'as vu ce que t'as fait là. Mais c'était un. Oui. Guéhoro. Non, mais t'as envie de perdre, Laure. Je pense que Laure, elle a envie de perdre. Fais très gaffe. Je pense que ton pire adversaire, il est pas là, il est là. On m'a très mal parlé. J'ai hâte d'avoir la vie d'Arsène. Arsène. Mais non, je la connais, Laure. Voilà, okay. Profite. C'est à toi. À Sakina, elle a 4 étoiles. Non, mais là, doucement, là. Sakina, elle a 4 étoiles. Ouais, on les a sentis. Il reste que quelques minutes, que quelques instants. Et Arsène qui est mis en difficulté, je suis rassuré parce que t'inquiète, je pensais vraiment que. Allez. C'était moi le problème, ça, en fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'or. Mais t'as vu, j'ai fini face en retrait. Oh, Arsène. Non, Arsène. Pour plus le match. Pour plus le match. Allez. C'est moi qui ai marqué là. C'est toi. C'est Laure qui a marqué. Oui, c'est Laure. C'est Laure qui a marqué. Bien sûr. Attends, je veux voir. Avec Laurie derrière. Mais... Passement de jambes, frappe croisée. Ah, j'aime trop bien stylé, les la cinématique. Allez, Laure, tu l'as joué. Oui, c'est géré, c'est géré. Voilà. C'est la dernière action. C'est la dernière, la dernière d'air. Ça nous, non. C'est bon. Oui. Mais ouais, non, honnêtement, votre niveau il est très sympathique. Super bien joué, hein. C'était dur. Merci énormément, Sandy Baltimore et Oriane Jean-François. On vous souhaite le meilleur pour le futur. Faites-nous encore rêver et vibrer dans ce stade magnifique. On a la chance d'être en direct d'une des plus belles loges du Parc des Princes pour vivre ce moment ici. Merci à vous deux. Passez une très bonne fin de journée. Voilà, c'est déjà fini. Et puis, ma chère Laure, oui, tu repars avec la victoire. Mais on l'avait dit, avant ce match, tu vas devoir nous donner, bien sûr, en toute connaissance de cause, avec qui tu as préféré partager cette mi-temps. Pour l'instant, ça n'a été qu'une mi-temps de partager. Comment peux-tu poser la question? Je sais pas, je me dis peut-être que ça, c'était un accident. Et qu'en fait, la première période, il y a eu, non, y a eu autre chose. Non, mais tu m'as insulté pendant non, tout ça. Non, insulte-la. Genre, non, il y a des tensions ici. J'essayais de créer quelque chose de cohérent. C'était évident avec Arsène. Après, c'est pas juste. J'ai senti que c'était fluide, il m'a appris les gestes techniques. On a un collectif, on a une cohésion. Si je ratais ma passe, il était là. C'est pas grave, t'inquiète pas. Autant de choses. Tu vois. En tout cas, vous aussi, vous allez pouvoir gagner de très belles choses que grâce à cette vidéo, grâce au moment exclusif en direct du Parc des Princes ici et pour la sortie de FIFA 23. On a un maillot dédicacé et au-delà de ça, on a plusieurs jeux FIFA à vous faire gagner. Donc des jeux FIFA 23, on vous envoie les codes, vous les ajoutez directement sur la console de votre choix et puis ça part, vous avez déjà le jeu. Donc si vous voulez l'avoir gratuitement et rapidement, ça se passe sur le petit post Instagram que je vous mets dans la description. Foncez. Merci beaucoup, Laure. Et moi je peux gagner aussi. Ouais, on va s'arranger. On va trouver ce qu'il faut. Et effectivement, je vous remercie tous les deux, Laure et Arsène, d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, le cadre, il était idyllique. Et le jeu est fou, honnêtement. Ouais. On a hâte de relancer la saison de FIFA 23. Enfin, en vrai, là, ça va être le début d'une nouvelle époque, une nouvelle ère. Le début de beaucoup de travail. C'est ça, hein, les trois premiers mois sortis d'un jeu FIFA. Combien d'heures? Ah mais là ça va être 10 heures par jour minimum. Ah ouais, 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 je pense pendant des bonnes semaines. Parce qu'en plus là, t'as aussi les compétitions qui vont arriver. Alors je sais pas si c'est toujours fut champ, etc. J'ai hâte de encore suivre. Ouais. Wow, ok. Avec le même système le week-end, etc. Tu penses? Ça sera pareil. Je sais qu'il va le faire aussi normalement. Pourquoi pas? Peut-être te croiser sur les terrains avec grand plaisir. Je te le souhaite pas. J'espère pas pour toi. C'est vrai, putain, il reste gentil. On vous fait des bisous, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, c'est dans un cadre un petit peu sympa. On a eu la chance de recevoir les joueuses. On avait des invités de luxe. Et on a des cadeaux de fou. Profitez-en. C'est pour vous. Des bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.